Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter un swap que j'ai fait avec Ingrid, donc c'est une de mes abonnées avec qui je parle depuis qu'elle est abonnée à ma chaîne et qu'elle a commencé le scrap. Donc on a fait un swap et j'ai reçu aujourd'hui son colis, donc j'ai juste ouvert pour que ça dure pas trop longtemps à galérer avec le scotch. Mais je n'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va commencer tout de suite. Alors, quand j'ouvre, je vois ça. Donc déjà, nappe en dentelle, ça j'adore. Donc sa petite carte. Toute mimi embossée et tout, enfin. Juste magnifique. Donc Margot, voici mon colis. Pour moi, c'est mon premier échange. J'espère que tu vas aimer et apprécier. En tout cas, j'ai pris plaisir à le préparer. Gros bisous, Ingrid. Donc t'inquiète pas, Ingrid. Je pense que je vais adorer. De toute manière, je vois pas pourquoi j'aimerais pas. Hein, ça reste du scrap. Donc on a deux grands napperons en dentelle. Donc tu vois, même rien que ça, ça me plaît déjà. Et alors là. Je vous montre en gros, mais le colis est rempli. Alors, on va commencer par ceci. Donc, c'est du ruban adhésif rose. Donc, assez large. Et c'est top, quoi. Il y a 6 mètres. Et voilà. Super. Ensuite. Un petit paquet emballé. Alors je pourrais pas au toucher deviner. Qu'est-ce que c'est? Une perforatrice, donc trop bien. Avec ce motif là. Donc il n'y a pas de marque, mais super. Après on a des sequins, ça on n'en a jamais assez. Hein. Genre en plus bleu comme ça, je dois pas avoir. Mais... C'est top. Comment ça s'appelle? Fil de coton. Donc si je me trompe pas, c'est ceux qui sont vendus en plusieurs, dans un paquet chez Action. Mais c'est top parce que je vais pouvoir essayer et... sans acheter le gros paquet. Après, ah super, des trucs comme ça de canettes, je sais plus comment ça s'appelle. Donc tout un petit lot. Voilà. Ensuite, une pensée de la communion, puisqu'en fait elle a fait la communion de sa fille. Et donc j'ai un peu suivi les préparatifs des menus, etc. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ouh, voilà. Du masking tape, trop bien, j'adore ça. En plus des tout fins comme ça, j'avais dit dans une vidéo que j'en avais pas. Alors j'en ai acheté à Action, mais c'est pas cela. Mais c'est vrai que c'est rare de trouver. Des petits comme ça, donc c'est top. Et puis celui-là qui est rayé. Ensuite, on a un... Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis embêtée par ce carton. je sais pas comment ça s'appelle, un truc éponge là. Donc ça c'est top. Après, on a... du post-it, un autre paquet, je suis nulle en plus à deviner au toucher. Alors que je fasse pas tout tomber, donc c'est des bougeoirs en fait, donc il y a étoile, fleur et cœur, et donc elle m'a mis
trois bougies avec. Qui sentent trop bon. Oh là là, ça sent trop bon. Merci. Je pense que je vais dire merci tout le long de la vidéo, mais je te dirai un gros merci après. Donc, un autre paquet. Trop bien. Donc, un tampon bois. Ça vient de chez Action et c'est top. Parce que j'arrêtais pas de les voir en vidéo en ce moment et je me dis mince, il faudrait que j'en achète, c'est trop beau. Vu que mon Action, le plus près, il a une heure de chez moi, j'y vais pas tous les jours, donc super. Un autre petit paquet. Des étiquettes cadeaux. Donc c'est trop bien. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais pas tout ouvrir. Enfin là je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que sinon la vidéo serait interminable. Surtout qu'il y a encore pas mal de paquets. Une planche de tampons fleurs. Donc ça c'est trop trop bien. J'adore les fleurs donc. En plus, elles sont petites, donc pour la carterie, c'est assez sympa. Merci. Après, on a des élastiques pour faire les bracelets, donc dans la couleur violette. Tu es flou. Bon. Donc ça, c'est cool. Merci, merci. D'autres sequins dans les tons dorés. Et je sais pas d'où ils viennent ceux-là, mais il y a quand même un gros paquet de sequins. Après, je vois des perles à repasser. Donc ça, c'est trop bien aussi pour faire des enamel dots ou tout simplement des figurines avec des perles à repasser. On a ensuite un petit pochon avec des boutons et des petits strass comme ça, là. Ça je peux deviner, ça j'ai réussi. Voilà les embellissements en bois de chez Action. Les papillons. Ça. Je les ai déjà mais ça il n'y a pas de souci. Ça va servir quand même. Ensuite. On voit qu'elle suit mes vidéos parce que les papillons, c'est top. Un autre tampon bois, comme ceci. Donc, par contre, celui-là, je sais pas où tu l'as acheté. Je dirais Emma. Mais en tout cas, il est super sympa. Après. Petite boîte 100% Stampin' Up. Alors oui, Ingrid en fait est démonstratrice Stampin' Up, donc depuis pas très longtemps. Donc elle m'a fait une petite boîte Stampin' Up avec la perfo nœud, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Plein de petites choses. Donc, il y a des petites choses comme ça, la joyeuse anniversaire. Des perles de pluie, des petites épingles. Voilà, je vais pas tout sortir, mais. Donc, cool! Et la boîte, elle est super sympa. Voilà. Ça n'en finit plus. Alors, bon, je déchire tout. Ah super. Des stickers. Donc on va de chez Action. Mais j'adore ces stickers là. Top. Ça c'est top top top. Ensuite.
ensuite des petites découpes. Ah, je ne vais pas les sortir, mais un petit sachet de découpe. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Dis-moi en commentaire ce que c'est. Ou si vous savez, vous. Je sais pas, je dirais un truc. Je sais pas. Merci quand même. Après, un autre paquet comme ceci. J'ai plus de place sur mon bureau. Ah bah celui-là, tu l'as bien emballé. Hein. Donc des tampons bois. Oh là là, trop bien. De chez Action, c'est trop bien. Ils sont trop beaux. Ah, j'adore. Merci. Après, on a un autre paquet. On arrive vers la fin. Je vous rassure. Trop beau. Des rubans. Papillons, bien évidemment. Fleurs et puis... je sais pas trop comment dire. Voilà. Ils sont super beaux. Après, dans le paquet, il y a aussi des capsules de bière. Parce que dans une vidéo, je pense que c'est, elle a dû le voir par là, que j'avais des capsules de bière pour essayer de faire des... de les écraser et de faire des embellissements avec. Donc, j'en ai quelques-uns dedans. Quelques-unes, pardon. Après, des bijoux autocollants. Donc dans les tons roses, trop bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, trop bien. Je ne connaissais pas. Un crayon alors, tricolore. Donc je ne connais pas cette marque. Et je sais pas si vous allez voir. La pointe, en fait, il y a du jaune, du rouge et du bleu. Donc c'est sympa parce que du coup on peut faire des mélanges. Oh, c'est cool ça. Merci. Là je suis toute floue. Reviens parmi nous. Mon appareil photo fait des siennes. Ensuite, deux planches de stickers animaux. Oh, c'est trop mignon. C'est des stickers en plus, je sais pas comment ça s'appelle, la Puffy ou quelque chose comme ça, qui ont un peu de relief. Et donc là, on a des petits chats, donc c'est trop bien. Et puis là, on a des animaux. Des animaux. Et ma belle-sœur, Mélissa, des petites tortues. Voilà. Super. Bah dis donc, je pensais que ça allait se finir bientôt, mais il y en a encore, ce que je vois. Alors. Ah, trop bien. Donc, pareil que tout à l'heure, dans le même style, hein, des stickers comme ceci. De chez Action. Il est trop beau celui-là. Avec le flamant rose. Qu'est-ce que c'est? Des plumes! Ah, j'aime beaucoup les plumes aussi. Ça se voit franchement que tu regardes toutes mes vidéos parce que bah, j'adore les plumes aussi. Donc. Dans le mille quoi, super. Franchement, merci, merci, merci. Après, c'est un truc tout mou. Comme quoi je dis qu'elle écoute mes vidéos. Des stickers. Bah papillons, hein.
Donc trop bien. Donc toujours avec l'effet puff là, ou je sais pas comment on appelle ça, un peu gonflé. Tu me gâtes, tu me gâtes. Oh là là, c'est pas fini. Ensuite, ah, c'est bien ça. Des bandes d'organza. C'est cool parce que du coup, sur le devant, on a quelques idées pour les utiliser. Ah, c'est sympa ça. Ça doit venir de chez Action, je pense. Mais c'est sympa, puis les couleurs sont très jolies. Ça, on n'en a jamais assez. Un bloc de papier de chez Action. Je l'ai, mais franchement, je suis super contente de l'avoir en un autre exemplaire parce que franchement, les papiers, ils sont trop beaux. Et puis, merci! Alors, après, on a donc une pochette avec à l'intérieur des napperons, des planches comme ceci de stickers. Ici, on en a d'autres. Ça, rien qu'au toucher, je l'ai senti que c'était des feuilles. Donc en plus de chez Action, qui sont trop belles. Ah, j'ai tout fait tomber. Là, il y en a d'autres. Et puis une sorte de gabarit pochoir sur le thème de la cuisine. Donc ça, c'est cool. C'est top ça. Ensuite. Ah, trop bien! Alors, c'est un petit pochon. Et suite à la communion de sa fille, ben, j'ai les petits dragées. Donc, c'est trop bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me touche, franchement. Et pour finir, donc. Des découpes, elle m'a fait des découpes Stampin' Up. Alors, ben, on a des papillons. Je vais pas les sortir, hein, mais on a des fleurs. Oh, trop bien. Ah, ben, on a le truc de la cuisine là et des papiers gaufrés. Et puis, on a les négatifs. Alors, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais. Et avec sa petite carte. Alors, voilà. Pas mettre son nom de famille, mais sa petite carte. Donc, c'est trop bien. Et voilà. Ça y est, c'est fini. Eh bien, écoute, Ingrid, merci, merci beaucoup. Enfin, de toute manière, quand tu verras cette vidéo, je t'aurais déjà remercié sur Internet parce que je viens juste de recevoir le colis. Donc. Là, je vais m'empresser de te dire que je l'ai reçu, que j'ai filmé une vidéo et que merci, merci, merci. Franchement, tout me plaît. C'est juste parfait. Toi qui avais peur pour ton premier swap, ben voilà, c'est réussi. Tu as réussi, hein. Pas de soucis. Donc, ben voilà, je vais terminer cette vidéo comme ça. Merci, merci, merci. Je te fais de gros bisous. Et puis, merci aux autres d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.